Et salut à tous et salut à toutes, c'est Nika02 de la Team Friend les Déglingués. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Farming Simulator avec Vanessa. Bonjour. Voilà, donc si vous regardez le compte en banque, j'ai fait pas mal de missions, j'avais des missions d'enrubanné qui m'a permis de générer beaucoup d'argent. Comme ça, Vanessa va pouvoir acheter la ramasseuse à cailloux et aller ramasser les cailloux donc dans le champ que j'avais labouré. Donc bon, je vais essayer de sortir de la maison. Voilà. Donc le champ 123 qui est juste là au-dessus. Je te laisse acheter la ramasseuse ou je la ramasse et je l'achète et tu vas la chercher. Bah vas-y, fais parce que... D'accord. Donc, voilà. Ramasseuse de pierre. On va prendre celle-là. Ah, on n'a pas les tryboards comme pneus pour prendre français. Voilà, 52 000 euros. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Par contre, j'ai pas pu changer la couleur, hein. Donc moi, pendant que ton tracteur, il est juste derrière toi, hein, sous le bâtiment. Pendant que Vanessa va aller chercher la ramasseuse de cailloux, je vais aller dans le Dutz et je vais faire du déchômage. Alors, j'avais préparé un petit peu le champ là. Je vais vous déchaumer celui-là. Après, j'en aurai encore un à déchaumer. Donc je déchaume le champ, Vanessa va chercher la ramasseuse, ramasse les cailloux et on se retrouve une fois que le déchaumage est terminé. À tout à l'heure. Voilà les amis, je vous reprends 30 secondes ici. Donc pour vous montrer, donc on va aller voir la ramasseuse que Vanessa a achetée. Quand elle aura fini d'essayer de s'accoupler avec la haie. Donc voilà, donc elle va ramasser les cailloux donc de champ là qui étaient en herbe que j'ai labouré et qu'on va donc passer en blé. Voilà. Et donc je suis arrivé par le fond du champ. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait une petite plateforme de stockage. Comme ça, quand on fera le blé, on pourra rassembler toutes les bottes ici et pour les charger à l'hiver. Voilà. Donc, moi, je vais me rendre au champ 36 pour aller le déchaumer. Et après, moi, j'aurai du semis de colza à faire et on verra ce que Vanessa aura décidé. Allez, à tout à l'heure.
Et voilà les amis, on se retrouve ici. Donc tout à l'heure j'avais fini de déchaumer le 1 en off, j'avais préparé, j'avais fait une bande sur 2. J'ai été déchaumer le champ 36. Et là on se retrouve, on va faire quelques passages de semis de colza. Donc j'avoue que de ce sens-là, on voit pas trop la différence, mais bon, quand on se tourne comme ça, on le voit un peu de plus, hein. Donc voilà. Vanessa vient de finir de ramasser les cailloux. Je pense qu'elle va regarder, il y a quelques missions de récolte, elle va regarder pour prendre une mission de récolte. Comme ça, le temps que je finis de semer, elle va pouvoir commencer. Et après, je pourrai aller la rejoindre dans le champ pour lui amener une benne. Et puis si elle prend du blé ou quelque chose comme ça à récolter, pourrait aller peut-être presser la paille. Donc comme pour le déchômage, je vous fais des bandes. À chaque fois, je vous laisse la fourrière au bout. Et je l'ai fait à la fin. Comme Pierre et Thomas m'avaient conseillé de faire. Et comme ils font un petit peu eux quand ils travaillent, hein. Ils font d'abord des grandes bandes et à la fin, ils finissent par faire leur fourrière. Pour éviter de rouler là où ils ont semé. Donc voilà. Donc je vous finis ça et on se retrouve quand j'aurai rejoint Vanessa pour son contrat. Allez, à tout à l'heure!
Voilà les amis, donc on va se reprendre ici. Donc je viens de livrer l'orge du contrat. On a eu 372 euros de plus. Et j'avais une question à vous poser pendant que je suis à la coopérative. Je souhaiterais donc faire une entrée de champ ici, condamner une partie du champ, faire un petit chemin de terre comme ça, et avoir la plateforme ici pour stocker quand je récolte ce champ-là. Le problème, c'est que la plateforme ici, elle appartient au champ 67 qui est ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. Elle appartient donc à la parcelle 88, qui vaut 10 460 euros. Pour l'instant, j'ai de l'argent sur le compte. Ce n'est pas le souci. Est-ce qu'on achète la parcelle 88 pour pouvoir faire la plateforme de stockage ici avec le chemin et dans ces cas-là? Donc, je vous pose la question. Vous répondez dans les commentaires. Et en fonction de ça, si la réponse est positive. La prochaine fois que je vous ferai un live ou une vidéo, je commencerai par vous faire le chemin et la plateforme. Donc ça, c'était une première question que j'avais à vous poser là. J'en ai également une deuxième. Dans les véhicules, pour la récolte des betteraves, j'ai donc acheté comme matériel de base le broyeur à l'avant et la déterreuse pour un total de, on va dire, 31 000 euros. Or, il s'avère que j'ai trouvé un mode. Bon, il n'est pas parfait, il a quelques petits défauts, mais il collerait bien à la ferme. Et si Vanessa vient m'aider, je sais qu'elle préférera conduire un véhicule comme ça avec une trémie plutôt que de déterrer les patates. Est-ce que, sachant que ce véhicule-là, même si je mets la décharge manuelle, enfin, en mettant la décharge manuelle, vaut 35 000 euros? Est-ce que je revends les deux matériels que j'ai pour récolter les betteraves et est-ce qu'on achète la Matro M41 pour que Vanessa puisse me donner un coup de main à la récolte des betteraves? Donc je vous laisse me mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas pour l'achat de la parcelle 88 et si vous êtes d'accord ou non pour que je change le matériel pour la récolte de betteraves. Voilà. En voilà deux bonnes choses de faites. Maintenant, on va retourner au champ en volant. On va voir où elle est Vanessa, si elle arrive au champ ou pas. Ah bah, elle est déjà au champ en plus. Elle a rien dit. Hop. Alors, je vais retirer le survol, sinon je pourrais pas monter dans le tracteur. Hop. Je vais vous charger. En plus, elle m'a défoncé deux bottes parce qu'elles étaient collées. On va charger Médecin. les 6 bottes qu'il y a là. Vanessa les sanglera. Après, on se laissera là-dessus. Gérer les livrets en off. On ira ramener le matériel, ranger le matériel. Même là, pour le chargement, on s'en fiche un petit peu. Il n'y a que 6 balous. Hein. C'est pas non plus. Hein. Voilà. C'est pas un plateau où il faut serrer, serrer en disant j'espère que tout va tenir, quoi. Et en même temps, pour vous montrer que je peux charger, bon là c'est à la va-vite, hein, mais je peux charger des ballots sans bugger. Ah bon? Mmh. C'est bien, Mickaël. Est-ce que j'ai des mauvaises expériences de certains chargements de ballots qui se sont passés pas très 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 bien. J'avais des Mais plateaux qui étaient secoués, j'avais de la déconcentration. c'est parce qu'il y avait des tremblements de terre. Voilà. D'ailleurs, un grand, 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 grand merci. Je viens d'aller jeter un œil vite fait avant de vous reprendre aux 46 abonnés. Et surtout, j'ai une vidéo. Je vais aller revoir en direct tout de suite. Je vais aller réactualiser la page. Attendez, je regarde ça de suite. J'ai l'épisode 13. On était avec Vanessa. On vous a fait de l'ensilage de luzerne qui a fait 335 vues. Donc je vous remercie énormément pour les vues et tout ça. Non, Vanessa! Ah ben j'ai essayé de mettre les Non. sangles. Monte dans le tracteur et tu fais L. Donc voilà, donc oui, 335 vues sur une vidéo. Super content. Donc je vous remercie à tous pour les vues, je vous remercie pour les pouces, je remercie les abonnés, je remercie Fredo, Thomas, Vanessa Et l'Aurélien?
pour les dons qu'ils ont faits. Voilà, toutes les personnes qui suivent tout, merci du soutien. Donc on va se laisser ici, je vais vous faire le petit montage. La vidéo sortira sûrement mercredi en début d'après-midi. Donc Donc on active voilà. la cloche. Voilà, on n'hésite pas, on active la petite cloche surtout pour avoir les notifications. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao! Revoir.